Présidente, cher jury, cher public. Comme le disait Thomas Hobbes dans le Léviathan, l'homme est un loup pour l'homme. Cela signifie que l'homme a vocation à soumettre ses congénères, mais à soumettre ses congénères à sa volonté, à l'instar du loup, chef de meute, imposant son diktat à ceux qui se sont soumis. Toutefois, la soumission d'autrui est une fin, et il convient de s'interroger, comme l'a fait Nicolas Machiavel, sur les procédés permettant de parvenir à cette fin. Or, les procédés sont nombreux. De la soumission par la force à la soumission par l'intelligence. Le dictateur, comme l'explique Platon dans La République, est celui qui soumet par la force. Et il rejoint d'ailleurs Hobbes en ce sens en qualifiant ce dictateur de loup sauvage. En outre, le premier sens que l'on donne à la force est la force militaire. La soumission d'autrui se gagne de manière stratégique. Ainsi, dans l'Antiquité chinoise, époque où le territoire était divisé en plusieurs clans, un des seigneurs s'interrogea sur le moyen d'unifier ce territoire. Il comprit rapidement que le meilleur moyen de vaincre ses adversaires et in fine de les soumettre n'était pas tant de les attaquer spontanément, mais d'anticiper leurs actions et les manipuler pour leur tendre des pièges, à leur insu. D'ailleurs, cela rejoint la pensée de Sun Tzu dans son ouvrage, ou plutôt son traité de l'art de la guerre. Voici comment naquit le premier jeu de l'histoire de l'humanité, le jeu de Go. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, je vais brièvement vous dresser la liste de ses règles. Classique. Deux joueurs s'affrontent sur un terrain quadrillé par l'intermédiaire de pierres blanches et noires représentant des soldats. Le but est de se créer le territoire le plus vaste possible. Pour ce faire, il convient d'encercler les ennemis, de leur tendre des pièges, de les capturer et de les priver de tout moyen de riposte. Le vainqueur est celui qui aura le mieux anticipé les actions de son adversaire. Le premier jeu de l'humanité, je répète bien, le premier jeu de l'humanité consiste donc à enseigner aux hommes l'un des meilleurs moyens de soumettre les autres, c'est-à-dire la stratégie. Un parallèle peut être dressé avec les échecs occidentaux, où le but est de capturer le roi de l'adversaire en usant de stratégie. Les joueurs de ces jeux se glissent donc dans la peau de conquérants. Or, nous verrons par la suite qu'une des caractéristiques du dictateur est la conquête, et ce point est très important. Suite à cela, se sont développés les jeux de société, qui introduisent un aspect familial, convivial dans le jeu. Mais ne nous laissons pas leurrer. L'aspect familial n'est qu'un instrument économique permettant de vendre ses produits aux consommateurs. En réalité, il s'agit toujours d'un affrontement entre deux ou plusieurs joueurs dans le but de vaincre, de soumettre et parfois même d'humilier. Or, le Monopoly n'échappe pas à cette règle. Ce jeu de société qui fête cette année ses 80 ans nous place également dans une compétition à l'issue de laquelle il ne pourra y avoir qu'un seul et unique vainqueur. Celui qui aura, financièrement, soumis les autres. On peut donc se demander si ce Monopoly suscite réellement des vocations de dictateur. Intéressons-nous au vocable « vocation », destination d'un être, ce vers quoi sa nature semble l'appeler. Sa nature semble l'appeler. Or, Aristote, dans les politiques, nous explique que la nature humaine est également synonyme de soumission. Cela s'explique par le fait qu'une société qui fonctionne est une société hiérarchisée. Il faut des petits et des grands. Des petits et des grands. Des forts et des faibles. Des commandants et des commandés. Des maîtres et des esclaves. Il rejoint en ce sens un autre philosophe chinois, Confucius, qui lui affirmait que les inférieurs doivent se soumettre aux supérieurs. Cher jury, la nature se divise donc en deux strates. La nature humaine se divise en deux strates. D'une part, les relations sociales, se déduisant de la maxime aristotélicienne « l'homme est un homme politique », et d'autre part, la hiérarchisation de ces relations sociales, se traduisant chez le même auteur par une observation de la nature, qui conduisait à constater ce qui était évoqué précédemment, à savoir la supériorité du dominant sur les dominés. Par conséquent, pour affirmer que ces deux personnages sont identiques et qu'ils répondent le mieux à cette nature humaine, constatée par Aristote, qui est, je le répète, la soumission d'autrui. Dans un premier temps, nous nous attarderons sur la psychologie du dictateur.
Et force est de constater, dans un second temps, que le joueur de Monopoly partage cette psychologie. Commençons par la psychologie du dictateur. Et rien qu'à ce stade, je bute. Pourquoi ? Eh bien parce que la première des caractéristiques du dictateur est qu'il n'a pas conscience d'être un dictateur. Et parfois même, il le conteste. La qualification de dictateur, excusez-moi, est donc extérieure à sa personne. Vous êtes un dictateur car on vous qualifie de dictateur. Il ne s'agit ni d'hypocrisie ni de mauvaise foi de la part de celui-ci. Bien au contraire, celui-ci est convaincu du bien fondé de son pouvoir, quel qu'il soit. Ainsi, Hitler ne se voyait pas comme un dictateur, mais comme un libérateur. Se frustrer de l'art a peint sa fureur sur la toile européenne. Son but était de rétablir la grandeur de l'Allemagne. Et son objectif, d'autant plus renforcé par son élection démocratique de 1933, légitimait à ses yeux tous ses actes, aussi inhumains qu'ils eussent été. Ce cher Adolphe nous permet de mettre en avant la deuxième caractéristique du dictateur, évoquée brièvement dans mon introduction, la conquête. Le dictateur, comme disait Platon, est un loup sauvage, ce à quoi il ajoutait, écoutez bien, esclave de ses désirs. Or, le désir du dictateur est la soif inextinguible de pouvoir, et celle-ci se manifeste notamment par l'élargissement de son territoire. Conquérir plus pour soumettre plus. Ce qui nous amène déjà à la troisième caractéristique du dictateur. La volonté de soumettre. Le dictateur, c'est l'être suprême. Et il est parfois d'essence divine, un roi du pétrole, par exemple. Que nul ne peut contester, même simplement critiquer. Et cette volonté de soumettre est parfois très extrême, à l'instar de Kim Jong-un qui va jusqu'à faire éliminer des membres de sa famille, ou même pire, pour mon cas, à imposer sa coupe de cheveux à son pote. Et enfin, nous en arrivons, excusez-moi, à la quatrième et dernière caractéristique du dictateur, à savoir les moyens utilisés pour arriver à cette soumission. Or, ceux-ci n'ont pas de limite chez ce dictateur. Et vont de la force militaire, à l'instar de Fidel Castro, en passant par l'idéologie et l'économie, comme Hitler, jusqu'au génocide de Boko Haram. Il faut préciser que toutes ces caractéristiques doivent être cumulées pour qualifier une personne de dictateur. En outre, sur le point économique, il est rare qu'un dictateur soit pauvre. Son pays peut l'être, et il l'est souvent. Mais lui profite de sa position pour s'enrichir personnellement. Certains, vous savez, ne sont beaux qu'à ça. Nous en arrivons donc au second temps de ce raisonnement, à savoir que le joueur de Monopoly partage cette psychologie. La conquête. Le but du Monopoly est d'acheter des rues, des hôtels, des maisons, et même pour des versions plus récentes, des pays. Si cela n'est pas un aveu, dites-moi ce que c'est. Nous voyons, le joueur doit conquérir des territoires en vue d'agrandir son monopole financier. Or, je vous rappelle que la conquête est un des critères du dictateur. Mais s'il fallait s'en contenter, tous les agents immobiliers seraient des Goebbels. Intéressons-nous donc aux autres critères. Le joueur de Monopoly a-t-il soif de soumission ? A-t-il soif de soumission ? Son objectif est tout de même de battre ses adversaires en leur faisant payer des droits de passage, des taxes sur les territoires qu'il a acquis. Ce joueur, tout comme un dictateur, ne se préoccupe pas de la liberté de circulation des personnes. Plus il a d'entraves à cette liberté, plus il s'enrichit. Et plus il s'enrichit, plus il soumet les autres. Il n'hésite pas à obliger ses adversaires débiteurs à hypothéquer leurs biens, sans jamais prendre en compte l'aspect humain de leur rapport. Et si jamais ces débiteurs contestent, comme le feraient des opposants politiques, ou s'ils ne payent pas, direction la case, Fleury-Mérogis. Or, je vous rappelle que dans notre droit positif français, le non-paiement d'une dette n'est plus susceptible d'une peine carcérale. Mais le joueur de Monopoly, lui, à l'instar d'un dictateur, se contrefiche de cela. Or, ces moyens sont assimilables à ceux que nous avons vus précédemment dans le cadre du troisième critère. Par conséquent, il a soif de pouvoir et de soumission, et il est même prêt à utiliser des moyens peu conventionnels pour y parvenir. Enfin, et ceci constitue, je dirais, l'apogée de mon raisonnement, le joueur de Monopoly a-t-il conscience d'être un dictateur ?
Et comme s'empressera de dire ma contradictrice? Bien sûr que non! Le joueur de Monopoly n'est qu'un enfant! Ou un adulte ayant gardé sa part d'enfant, qui ne cherche qu'à s'amuser avec ses amis, sa famille, dans un environnement jovial et pacifiste. Évidemment que le joueur de Monopoly n'a pas conscience d'être un dictateur. Et c'est ce qui fait de lui un dictateur. Car je vous rappelle que le dictateur n'a pas conscience dans les trains, comme démontré dans ma première partie. Mais très bien. Vous allez tous me rétorquer que le joueur de Monopoly correspond au dictateur, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il a la vocation à le devenir. Mais c'est oublié Freud et Aristote. L'un nous explique que notre subconscient s'imprègne de notre expérience. Et l'autre, Aristote, nous explique que cette expérience nous marque à vie avec sa théorie de l'empirisme et construit notre personnalité. Par conséquent, en jouant au Monopoly, le joueur s'imprègne inconsciemment de son comportement dictatorial et ne pourra plus jamais s'en défaire, puisque cela constituera à jamais une part de sa personnalité. En conclusion, le joueur de Monopoly, à l'instar d'un dictateur, doit faire la guerre pour pouvoir un jour habiter rue de la paix. Et je vous rappelle que cette rue de la paix est la plus chère des rues du Monopoly, ce qui démontre tel un message subliminal, cher jury, inséré par les créateurs de ce jeu, que la paix, cette paix est la chose la plus difficile à obtenir pour un joueur de Monopoly, tout comme pour un dictateur. Des siècles après le colonialisme, l'esclavage, après les lots de guerre, de génocide et d'extermination, à l'instar du jeu de dames où deux couleurs pratiquent des rafles jusqu'à l'extinction, la partie civile pointe du doigt le Monopoly. Oh Hitler, Staline, d'antan, au Bachar el-Assad, Kim Jong-un, de notre temps. Vous comprenez l'inquiétude qui plane ici même quant à la décision que vous rendrez sur cette interrogation. Les dictateurs de ce monde sont-ils arrivés au pouvoir par un heureux hasard, au dernier jet de thé, ou paradoxalement, à l'achat de la rue de la paix? Madame le Président, messieurs, mesdames les conseillers, honorables jurés, pensez-vous qu'un jeu prédétermine le destin d'un homme? Que son comportement révélé au cours d'une partie reflète ses aspirations futures? Le petit cousin à lunettes. Que nous avons tous connu, qui prenait plaisir à gérer la banque, à distribuer les rentes, et qui faisait régner la terreur de sa voix fluette. En bon gardien obtus des règles qu'il était. Est-il donc destiné à devenir chef d'une administration tyrannique? Quant à ceux qui ne savaient jamais acheter au bon moment, qui tentaient comme ils pouvaient de s'en sortir, en suppliant la clémence des nababs, tout en cherchant à les arnaquer, à voler la banque ou piper les dés, deviennent-ils aujourd'hui des faussaires? Si vous répondez par l'affirmative, alors, adressez-vous aux peuples opprimés, aux humiliés, aux damnés de la terre, et voyez leur réaction quand vous leur soutiendrez que leur malheureuse condition ne serait que le résultat d'un jeu qui vient tout juste de célébrer son 80e anniversaire. Oui, l'absurdité de ce raisonnement est du même acabit que celui qui consiste à nous faire croire que les enfants qui jouent à des jeux de guerre deviennent tous militaires, ou que les joueurs de poker finissent escrocs. Et pourtant, l'ignominieuse besogne de mon adversaire a été de vous faire croire que le jeu de société dans lequel vivent les peuples opprimés trouverait sa source, oh non pas dans l'idéologie, le contexte politique ou l'emballement de l'histoire, mais bien dans une simple partie de Monopoly. Or, tous les joueurs de Monopoly que nous avons été ne fomentent pas de coup d'État. Et pour cause, les dés et votre argent factice
ne vous ont conduit qu'à de simples transactions commerciales à la portée d'un enfant de 5 ans. Voyez-vous donc quelle vocation cela peut susciter ? Agent immobilier ? Comptable ? Employé de banque ? Ou peut-être chez certains enfants, ce jeu a permis de manière ludique de faire naître la fibre de l'arithmétique. Enfin, Madame le Président, comment le Monopoly pourrait-il engendrer des dictateurs ? En début de partie, les autres joueurs commencent-ils tous en prison ? L'unique concurrent a-t-il le droit d'user et d'abuser de la propriété des autres ? Parce qu'il serait jeune, vieux, ou tout simplement parce qu'il s'affirmerait différemment par la pensée, par leurs opinions ou par leur religion ? Si tel était le cas, ce jeu serait couvert d'eau chrome et il ne serait pas autant plébiscité. Non, la moelle substantielle du succès pour le Monopoly réside dans cette simple peinture de notre ère contemporaine. Il nous enseigne un monde où tout se marchande, où tout s'achète, avec l'illusion que tous peuvent gagner. En début de partie devant les règles, à chance égale, personne ne suspecte en effet la tournure que prendra la manche. Il est donc un bel enseignement des dérives de notre société marchande, de la concurrence dont le tourbillon entraîne la richesse des nations vers la prospérité comme vers la ruine totale. C'est pourquoi il y aura un riche propriétaire de tout Paris, ou du Havre, soumis à l'ISF, et au tour suivant, il sera pauvre perdant, SDF ou en geôle, sans sous-vêtements, car hypothéqué suite à la malheureuse pioche d'une carte chance ou d'une carte caisse de communauté. Ce n'est pas pour autant que le gagnant verra naître en lui la qualité de chef tyrannique, car les rentiers ne vivent que pour compter leurs deniers. En pointant du doigt ce jeu de société cordiale et conviviale, on cherche à détourner les vraies questions politiques, les causes des dictatures, ou encore les causes de la ruine des hommes. C'est une énième feuille de vigne que l'on colle à l'histoire. Complice de cela, vous mettez sur le banc des accusés un divertissement qui a fait rire et s'amuser des centaines de milliers de foyers. Vous les accusez de vouloir renverser les libertés, leur liberté. Or, lorsque le loup parle de liberté, il ne parle que de la sienne. Voudriez-vous faire un procès d'intention à tous ces hommes, à toutes ces femmes et à leurs enfants ? Si oui, aujourd'hui, le dictateur, c'est vous. Merci. Chers jurés, chers contradictrices, quand le sens des mots se perd, c'est la liberté qui se perd, disait Confucius. Or, si le petit Larousse n'est pas capable... n'est pas capable de nous définir les termes du sujet dans sa plaidoirie, il y a donc un manque de liberté. Je ne suis donc pas un dictateur ayant défini les termes, mais je vous retourne ce compliment. Le but du Monopoly, comme son nom l'indique, est d'avoir le monopole sur toutes les rues. Or, le monopole est la dictature d'une entreprise sur le marché. Et la plupart des auteurs affirment qu'il est néfaste pour l'économie, tout comme la dictature, qui, elle, est perçue comme étant néfaste pour l'humanité. Ainsi, le monopole, c'est l'équivalent économique de la dictature. Et le joueur de Monopoly est donc par conséquent un dictateur. Or, ma contradictrice vit dans le déni le plus total, et ses arguments pittoresques en sont la preuve. Quels sont les critères, chère contradictrice, pour pouvoir se permettre de dire qu'une personne est un dictateur ? Parce que vous la qualifiez de dictateur ? Parce que vous entendez sur téléphone, c'est un dictateur ? Avez-vous déjà seulement vécu dans ces pays pour pouvoir juger cela ? Staline, vous avez évoqué Staline ? Très bien, parlons-en. Staline était vu comme un dictateur, mais savez-vous que le jour de sa mort, on l'a su après, mais la psychologie des foules est très difficile à aborder.
1500 personnes sont mortes uniquement pour pouvoir se pencher pour voir la dépouille de leur dictateur. Il devait vraiment être détesté. Détesté, cet homme. Donc, pour conclure, je voudrais dire que je ne monopoliserai pas la parole comme un dictateur et je laisserai la parole à ma chère contradictrice. Dès à présent, je vais invoquer sous vos yeux, devant vos regards ébahis, l'ultime argument qui, d'un coup d'estoc ou d'un simple éternuement, fait s'ébranler tous les mensonges de ce monde. Car, tel un serpent qui ondule à travers les hautes herbes pour captiver sa proie, ses proies, Monsieur Le Gall esquive, contourne très subtilement les vallées sinueuses de ce sujet. Et c'est pourquoi j'appelle votre raison à ouvrir ses portes à l'invité d'honneur de ma plaidoirie, le bon sens. Vous m'accusiez de ne pas avoir défini les termes de ce sujet, tout simplement parce que tout le monde connaît ce qu'est un dictateur, ce qu'est le monopole. En revanche, je vais préciser le terme suscité et le terme vocation. Susciter, faire naître, être la cause directe, vocation, le destin d'un homme, ce vers quoi il est appelé. Notre sujet était donc de se demander si le Monopoly était la cause directe de l'arrivée au pouvoir des dictateurs. Vous avez dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Oui, c'est vrai. Mais l'est-il vraiment dans le Monopoly? Y a-t-il une quelconque phase de manipulation dans ce jeu? Non, il y a des règles strictes, mais surtout il y a le hasard avec le jeu des dés. Et quand on joue à un jeu, on y participe toujours dans l'esprit de gagner. Sinon, il n'y a aucun intérêt à y jouer. Ce n'est donc pas à cause du Monopoly que l'on devient dictateur, mais de la volonté de l'un des seuls protagonistes. Vous avez parlé à de nombreuses reprises de conquêtes. Mais quand vous gagnez au Monopoly, vous êtes juste un vantard, non un dictateur. Bon, alors, on me suggère de reprendre l'ordre de c'est la première pour moi. Voilà, donc, c'est donc à vous, monsieur Maigret. Alors, je vais tenter une question à monsieur Le Gall. Considérez-vous que nous sommes tous, considérez-vous vraiment que nous sommes tous des dictateurs? Puisque je pense que nous avons tous une fois au moins dans notre vie joué au Monopoly. Et pour mademoiselle... Tu diras. C'est ma question qui vient de s'envoler, pas son prénom. Mince. Ça vous revient après. Oui, on va lui faire la réponse, monsieur Le Gall, et puis comme ça. Voilà. Merci. Bonjour. Oui, je pense qu'un bon joueur de Monopoly qui n'aime pas perdre, qui a vraiment envie de gagner, a la vocation de devenir un dictateur. Grâce à la démonstration que je vous ai. Avec les différents critères. Lesquels, soif de soumission, soif de pouvoir. Et donc sans le savoir. Sans le savoir. Très bien. Merci. Ça n'en revient toujours pas. Non, ça bon, pas alors pas. On va. Mais à tout moment. Quand ça revient. Alors, très bien, peut quelqu'un venir. Bien, merci à tous deux pour cette plaidoirie vraiment intéressante et stimulante, parce qu'on est quand même passé de Lambert Wilson à Confucius, Platon, ouais, Sun Tzu, Freud et même Machiavel. Hein, donc, là, tout de suite, bon,
c'est vertigineux. Alors, vous avez pris des risques, hein, monsieur, parce que vous parlez de Machiavel devant M. Bail, qui fait sa thèse sur lui, qui le connaît très bien. Du coup, moi, je regardais la tête de M. Bail, M. Bail faisait. Puis des fois, il faisait. Alors, peut-être voir Machiavel un peu. Il va poser une question. Bon, alors, juste, vous avez dit, mais je pense que c'est le trac, à un moment donné, parlant d'Aristote, il a dit l'homme est un homme politique. Un animal politique. Oui, c'est un peu comme si. L'animal est un homme politique. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est, j'ai bien compris ce trac, mais c'est un peu comme si vous disiez pour Hobbes, l'homme est un homme pour l'homme. Hein, bon, ça n'a pas la même dimension. On ne sait pas pourquoi, finalement, on parle encore 500 ans plus tard. Bon, alors, on n'a que 10 minutes par personne, je sais, pour répondre. Je vais aller à l'essentiel. Monsieur, c'est ma question. J'ai bien compris, à l'issue de votre première partie, hein, je résume, que le dictateur, c'est un malade mental. Bon, d'accord. Mais alors, je n'ai pas compris, à l'issue de votre deuxième partie, en quoi le joueur de Monopoly est-il aussi un malade mental. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Je n'ai pas dit que c'était un malade mental. Bah, moi, c'est ce que j'ai compris la première partie. Alors, c'est mon interprétation, mais voilà, quand même, c'est mon interprétation, c'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question, pourquoi le joueur de Monopoly est-il un malade mental? Il dit que le joueur de Monopoly partageait la psychologie du dictateur. Donc, si vous estimez que c'est un malade mental, il partage sa maladie. Et c'est parce que le joueur de Monopoly réunit, comme le dictateur, le critère de conquête, de soif de soumission, de soif de pouvoir, et les moyens un peu conventionnels pour permettre à arriver à cette fin, à la soumission. Merci, monsieur. Bien, alors, écoutez, mademoiselle, c'est votre tour. Mademoiselle, j'ai dit beaucoup de jolies choses, hein, c'était bien, mais ça va pas taper. Ça fait peur aux gens. Vous avez joué au Monopoly. Ça fait peur aux gens. Faut arrêter. Ça, en plus, moi, je suis un peu cardiaque. J'ai fait 3 cafés avant de venir. Je suis en train de m'assouplir un peu. Bon, c'est normal. Moi, j'ai failli aller aux abris. Là. Ah, faut plus faire ça. Hein. C'est presque criminel. Mais bon. Ma question aussi, je pense que c'est contagieux. C'est contagieux. J'ai retrouvé la mienne. Ah, j'ai retrouvé la mienne, pour ça, ça m'a laissé le temps à monsieur pour retrouver la sienne. Oui, vous avez déclaré que le Monopoly était un moyen de détourner des vraies préoccupations. Alors, j'aimerais beaucoup que vous me précisiez quelles étaient ces préoccupations. Vous faites référence à la feuille de vigne? C'est une énième feuille de vigne à l'histoire. Mm-hmm. Par exemple, mais il y avait d'autres. Ouais. Alors, par exemple, un exemple très concret. Lors de la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince François Ferdinand, l'histoire nous a appris que c'était cet assassinat qui avait été le moyen pour déclencher la Première Guerre mondiale. Or, il y avait déjà eu la guerre balkanique auparavant. Et il y avait également eu le conflit entre la France et l'Allemagne relatif à la colonisation du Maroc. Tout cela pour vous dire qu'avec l'assassinat du prince François Ferdinand, ou alors plus récemment avec les États-Unis qui ont été en Irak pour aller chercher Saddam Hussein, on cherche à nous cacher des choses derrière tout cela. Mais c'est en nous distribuant des jeux de Monopoly qu'on nous distrait. Non, parce que le Monopoly serait donc l'opium du peuple, alors. Non. Non, je crois qu'il faut répéter votre question, parce que oui. Je ne sais pas si... Alors. Ah non, c'est non. Oui, c'est bon. Ok, merci. Voilà. Alors, pas moi, j'ai retrouvé la mienne aussi. Ça, c'est pas la vraie question, mais c'est à partir de 5 ans, le Monopoly, vraiment ? Oui. Oui, c'est traumatisant quand même pour les gens. Parce qu'il y a différentes versions. Ah oui, parce que j'allais dire, c'est la version que je connais, moi, à partir de 5 ans, je comprends qu'après, on puisse devenir dictateur. Ça perturbe, évidemment. Alors, vous avez dit qu'en réalité, non, le Monopoly, ça pouvait susciter de belles vocations, pas celles d'un dictateur, mais grâce au Monopoly, on pouvait devenir comptable, banquier. Et là, je me suis dit, mais le banquier, c'est pas un dictateur ?
Le banquier est-il un dictateur ? Un dictateur est quand même une personne qui s'affranchit des règles. Or, le banquier est soumis à des règles, à ce que je sache. Donc non, il n'est pas un dictateur. Je ne fais pas l'actualité, du tout, hein, parce que justement, le problème des banquiers, c'est que tout le monde a bien compris, ils s'affranchissent des règles. Ouais. Le virage, c'est ce que c'est. Oui, c'est l'actualité. Parce que moi, j'ai confiance en mon pays, c'est tout. J'ai confiance en les règles de la France. Après, si vous avez perdu la foi en ce si beau pays, c'est votre problème, pas le mien. On peut avoir la confiance, mais la méfiance aussi. Bon. Tout à l'heure, on m'a reproché de paraître un peu lâché. Alors, je vais m'adresser au petit Robert. Après, je m'adresserai à la petite Rousse. Vous connaissez la nouvelle coach de The Voice, Zazie? Vous connaissez sa chanson? J'achète un château en Espagne. Voilà. Ah. On a les mêmes goûts. Pour mettre un hôtel rue de la Perle. Pour mettre un hôtel rue de la Perle. Simplement, juste en transition, est-ce que vous aimez le jeu des contre-pétris? Je ne connais pas. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est qu'une contre-pétrie, monsieur? Non. Ah. Alors si au public je dis que Rue de la Paix est la plus belle des contre-pétries... Apparemment, je ne suis pas le seul. Oui, mais... Alors, la présidente peut-elle expliquer comment on fait le contre-pétri? Je ne veux pas dire que ça fait sur... C'est interdit par la raison. Il suffit de changer une lettre. Oui, c'est quand on est permis. D'accord. Oui. Vous chantez mieux que j'ai. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, mais certains l'ont compris, la contre-pétrie de Rue de la Paix. Non, Quand vous vous intervenez. C'est méchant de vous. Vous changez le R et le P, monsieur. Vous intervertissez. Oui, non, mais c'est tout. Ah, plus de la même. Voilà, c'est une autre case. Bon. Ouais, bah alors, on peut le dire, oui, effectivement. Bon, heureusement que ça sent pas. Hein. Ouais. Non, merci. Oh, alors, vous voyez le niveau, hein. Deux minutes pas de se lâcher parce que. On fait très bien. Bon, plus sérieusement, même si on est dans telle monopolie, hein. Que c'est Zazie qui avait avoué à bien que c'était volontairement qu'elle avait été interprétée sur ce titre. Vous m'avez parlé tout à l'heure du monopole, du monopoly. Vous savez, je fais un cours de droit de la concurrence. Qu'est-ce que vous pensez, même si on ne sait pas encore le droit de la concurrence, qu'est-ce que vous pensez des ententes entre joueurs au sein du monopoly? Est-ce qu'il y a des alliances possible? Je n'ai jamais joué au Monopoly, j'ai lu les règles ce week-end. C'est pas une blague. Vous avez une chance extraordinaire. Oui. Grâce à Rhetorica, vous découvrez le Monopoly. Voilà. Il peut y avoir peut-être des alliances entre joueurs, mais le résultat final est qu'il y a un vainqueur. Donc il y aura forcément une trahison à un moment ou à un autre. D'accord. Non, mais il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir des enfants. Alors, ça se sent un petit peu, si je peux me permettre juste une petite remarque, que vous n'avez pas joué au Monopoly, parce que c'est vrai que des notions comme caisse de communauté, carte de chance, tout ça, les hôtels, les appartements, tout
tout ça, on sent que vous avez vraiment pas joué au Monopoly. J'ai cité les hôtels, j'ai cité les rues, j'ai cité le principal, les pays pour un dictateur. Je venons-en à la petite rousse qui m'a traité la dernière fois de Gargamel et maintenant de chef d'une administration tyrannique. Je ne savais pas. J'ai formulé cette question en interrogation. Devient-il pour autant? C'était un questionnement, oui. D'accord. C'est pas une affirmation. Je croyais que c'était nous qui posions les questions. Alors, le dictateur est-il un joueur ou un mauvais joueur? Je dirais plutôt un mauvais joueur au regard du jeu de société dans lequel nous vivons. D'accord. est-ce que le Monopoly est autorisé dans tous les pays? Je pense que oui, mais il y a eu plusieurs déclinaisons du Monopoly, notamment en Allemagne, où je crois que ça s'appelle le Bucrotapoli, qui justement dénonce les dérives sous la RDA. Mais est-ce que vous pensez qu'un dictateur a intérêt à autoriser dans son pays le Monopoly? Pourquoi aurait-il peur du Monopoly? Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu où vous êtes souvent, un bailleur, où justement vous ne faites pas payer de droit de passage. Ce n'est pas une autoroute, ou alors on pourrait dire que oui, la vocation que le Monopoly pourrait susciter, c'est d'être gérant de Bercy. Rien d'autre. Non, le Monopoly, vous êtes un bailleur qui fait justement payer ses loyers à ses locataires. Mais le dictateur, il prend tout. Il ne veut justement pas que son peuple apprenne à jouer et à devenir dictateur. À sa place. Et pourquoi deviendrait-il tous dictateurs? Pourquoi l'interdisent-ils, alors? Je n'ai jamais dit qu'il l'interdisait. De fait, certains pays l'interdisent. Bien, alors merci beaucoup parce que c'était vraiment excellent, comme d'ailleurs la vidéo précédente. Merci. Donc de vos exposés brillants. Moi je constate finalement au terme de cette joute que monsieur donc, n'a pas joué au Monopoly et finalement il nous a pas fait peur, c'est pas un dictateur. Hein. Vous avez joué au Monopoly. Donc, alors, pour être plus sérieux, bon, ma question qui s'adresse à tous les deux, mais bon, vous pouvez répondre, on va peut-être donner la parole d'ailleurs à, d'abord à mademoiselle Utira. Les règles du Monopoly sont des règles très strictes? Oui, ce sont des règles protestatives. D'accord. Mais justement, à partir du moment où ces règles sont très strictes, est-ce que vous pensez que de telles règles, est-ce que nous en avons besoin en société ou non? Est-ce que nous avons besoin de règles très strictes quand nous vivons en société? Nous avons bien évidemment besoin de règles, sinon nous serions dans un état de nature, comme disait Rousseau, ou selon... Mais l'état de nature, c'est pas mal quand même l'état de nature selon Rousseau. Alors je dirais plutôt, je crois que c'était, non je vais pas m'avancer là-dedans sinon je vais donner un nom erroné, mais il y avait un auteur très connu qui disait que dans l'état de nature, les hommes étaient violents. Et justement, les règles permettent de canaliser nos pulsions bestiales. Vous pensez à Descartes? Non mais vous avez terminé? À vous monsieur s'il vous plaît de répondre. Dans le Monopoly nous avons des règles très strictes. Est-ce que en société nous avons besoin de règles très strictes? Quand nous vivons en société, avons-nous besoin de règles très strictes? Très strictes? Ça dépend ce que vous entendez par très strict, mais en tout cas, il faut des règles pour pouvoir
vivre en société. Oui. Sinon, l'état de nature, c'est pas intéressant. L'état de nature, c'est un postulat, mais je ne l'ai jamais connu. Y a-t-il déjà eu un état de nature? A-t-il déjà existé cet état de nature? Peut-être. Je ne remets pas du tout en cause Rousseau, je suis minuscule à côté. Mais je ne l'ai jamais connu cet état de nature. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de Hobbes. Qu'en pense-t-il, Hobbes, l'état de nature? Non, c'est de la philosophie. Hein. L'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Dans le Léviathan. Et le Léviathan, justement, c'est en quelque sorte l'État, je pourrais dire, pour gérer les hommes. Excusez-moi. Il a même pas écouté votre échange. Je répète, je vous répète. Excusez-moi, répétez. Hobbes disait l'homme. Oui. C'est parce qu'il chantait. Hobbes disait l'homme est un loup pour l'homme, dans le Léviathan. D'ailleurs, le Léviathan, c'est en quelque sorte l'État, comme je disais. Donc oui, pour Hobbes, il faut des règles pour pas que les hommes s'entretuent et que leur liberté prenne trop de place sur la liberté des autres. Merci. De rien. Bon. Alors, une autre pétrie demandée par... mon collègue, Michel. Alors celle-là, elle est dans le même tonneau que la tienne. Ce coup de blanc m'a grisé. Là, je suis désolé, mais enfin, on est du même côté. Hein. Il y a les cerveaux là-bas. Et puis, il y a des... Il y en a qui commencent à comprendre. Au moins, vous savez ce que c'est les contre-pétries. Voilà, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Il est dit que je souffrirai doublement à ma place. Quand j'ai vu le sujet, parce que j'étais victime toute ma jeunesse d'une dictature de sorainée, je déteste les jeux de société. Malheureusement, j'étais celle qui était la plus proche en âge d'elle, donc il m'est appartenu de faire la potiche au Monopoly. Et je vous envie de ne jamais avoir joué à ce jeu. Vous ne savez pas combien ça peut être rasoir. Alors, et sans arrêt, je me pose une question. Et c'est donc une question que je vais vous poser. Je n'ai pas eu la réponse. Comment, à partir d'une monnaie de singe, on arrive à être un dictateur? Ça a toujours été ma question. Et mademoiselle... Justement, avec le Monopoly, avec cette monnaie de singe, qui est fictive, permet au futur dictateur peut-être de s'entraîner avec cette monnaie de singe pour un jour avoir la chance ou le malheur pour les autres d'exercer ce vrai pouvoir de dictateur avec de la monnaie réelle. Mais la réponse à votre question est très simple. Quand on joue à un jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que le Monopoly est pour un jeu, on veut avant tout gagner. Il n'y a pas de vocation, de notre comportement ne reflète pas notre aspiration future. On veut tout simplement gagner et ensuite on se vante devant tout le monde de dire « Ouais, j'ai gagné !» C'est tout. Merci.